Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après l'annulation du scrutin du 2 septembre à Tiassalé, la coalition PDCI-PPACI se sent prête pour la nouvelle échéance à venir le 2 décembre. Les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Un véritable problème de santé publique sur lequel l'antenne OMS Côte d'Ivoire entend sensibiliser le plus grand nombre. Et se former à l'intelligence artificielle, la blockchain ou encore le gaming est désormais possible à la Geeks Academy. Développée en Europe, l'Institut a ouvert ses portes à Abidjan. À moins de 2 jours du lancement de la campagne pour les élections partielles, à Tiassalé, le PDCI-PPACI croit en sa victoire. À 14h, avec toutes les personnalités du PDCI qui seront là, on va faire un meeting en commun avec le PPACI. Et puis le soir, à 19h, nous aussi, on va faire un concert jusqu'à 23h à la fin de la rupture. Avec un orchestre, c'est tout ça, on va, donc tout le monde, il faut mobiliser du monde pour ça. Mobiliser du monde pour la rencontre qui va avoir lieu midi. Mobiliser les gens le soir, le spectacle. La victoire du candidat indépendant Antoine Asaletiemoko annulée, les municipales seront reprises le 2 décembre prochain dans la commune. Outre Alexis Amichia, 2 autres candidats sont en lice. Le maire sortant Asaletiemoko et Alpha Sanogo pour le compte du RHDP. Le top départ a été donné pour la 5e édition de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens initiée par l'Organisation mondiale de la santé. L'initiative vise à mettre en lumière le problème croissant de la résistance aux antimicrobiens et à sensibiliser la population aux mesures nécessaires pour prévenir et combattre cette menace pour la santé publique. Le thème de cette année, prévenir ensemble la résistance aux antimicrobiens, s'inscrit dans l'esprit de l'approche une seule santé, qui appelle à une action multisectorielle coordonnée, multipartite et inclusive pour préserver l'efficacité de cette composante fondamentale de la médecine moderne. Le fardeau de la rame est alarmant partout dans le monde, mais ce sont les pays d'Afrique subsaharienne, malheureusement, qui en supportent la plus grosse part. La rame rend les infections bactériennes, virales et fongiques de plus en plus difficiles à traiter, entraînant une augmentation des taux de morbidité et de mortalité. Pendant cette semaine de sensibilisation, une série d'actions sont prévues pour informer le public sur les dangers de la rame et les mesures de prévention. Je vous exhorte à faire passer l'information de la semaine à tous les niveaux afin que tous les acteurs concernés par ce défi prennent conscience de ces enjeux et se mobilisent pour une lutte efficace contre la résistance aux antimicrobiens. Oui, nous sommes tous concernés. Le lancement de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Côte d'Ivoire par l'OMS constitue une étape importante dans la lutte contre cette menace croissante pour la santé publique. En sensibilisant la population, en renforçant les politiques de prévention et de contrôle, il est possible de préserver l'efficacité des antimicrobiens et de garantir un avenir plus sûr pour les générations futures. Le marché de l'audiovisuel sur le continent représente environ 3 milliards de francs CFA de transactions annuelles et selon les projections des Nations Unies, la population africaine devrait atteindre un peu plus de 2 milliards d'habitants avec une proportion de 45% de jeunes. Avec les habitudes de consommation de contenu via les smartphones, l'Afrique se positionne comme un marché à fort potentiel pour la commercialisation et la valorisation de contenu. Comment les marchés africains pourraient tirer avantage de cette filière en pleine croissance ? Hommes de médias, producteurs, diffuseurs et directeurs de chaînes de télévision ont pris part à ce panel. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'industrie audiovisuelle de manière générale est estimée à plus de 300 milliards de dollars. À horizon 2028, on pense qu'elle dépassera les 400 milliards de dollars. Et aujourd'hui, l'Afrique en profite très très peu, alors qu'en termes de population, elle a un potentiel énorme qui pourrait consommer beaucoup de contenu. Et donc, tout le challenge, c'est comment faire profiter à l'Afrique de cette manne. Nos chaînes doivent avoir une vision stratégique, intégrer le fait que l'Afrique, qui connaît certainement la plus forte croissance démographique au monde, est un continent d'avenir également en termes, disons, de développement économique. Nos producteurs ont du talent, ça nous le savons, mais dans cette perspective démographique que nous voyons tous venir, comment faire pour que, disons, économiquement, ces petits entrepreneurs sentir mieux. Le Salon international du contenu audiovisuel a débuté le lundi 20 novembre 2023.
Cybersécurité, intelligence artificielle, data security ou encore metaverse sont entre autres les domaines de Geeks Academy. L'Institut offre des formations qui peuvent durer jusqu'à 6 mois. Le coût varie entre 500 et 6000 euros. Aujourd'hui, tous ceux qui n'emboîteront pas le pas au niveau technologique vont perdre beaucoup de temps, vont même risquer leurs emplois. Et dans l'avenir, c'est quelque chose, n'est-ce pas, que nous devons prévoir. Donc nous avons voulu être en avant-garde, n'est-ce pas, de cette révolution technologique. Contribuer, je veux dire, parce que nous ne sommes pas la seule structure, mais surtout contribuer efficacement à ce que nos jeunes demain et surtout les professionnels des entreprises puissent, n'est-ce pas, avoir un emploi garanti et durable. Alors, les avantages sont plusieurs. La première, c'est une formation qu'on peut obtenir online, en ligne, et en même temps, il y a un représentant ici à Abidjan qui a une école. Donc, c'est quelque chose de réel et non pas simplement qui existe sur Internet. Notons que la Côte d'Ivoire compte 12,94 millions d'internautes sur une population estimée à 28 millions d'habitants au début de l'année 2023. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cetteinfo.ci.